On se retrouve pour la suite de Uncharted. On s'était laissé avec notre ami Nathan qui s'est fait récupérer par sa femme. Alors, on se dirige vers le nord de l'île, Et c'est ça, donc Simon? À New Devon, le berceau sa des femme créateurs qui du l'avait Bitcoin. récupéré C'est à cet endroit que Rafe se au rend. crâne légèrement fracassé sur un Un trésor doit rocher, se du trouver là. coup Il faut juste qu'on sauve Sam avant qu'il mette la main dessus. on essaye de. On essaye de se sauver, de sauver le frère, bref, c'est une histoire de famille. J'ai pas attendu assez longtemps, ça n'a pas chargé. Alors, ce qui est bien, c'est que le jeu démarre très vite, par contre, le problème, c'est qu'il charge très lentement ses textures. Là, les textures commencent à prendre de la gueule sous mes yeux, ce qui est pas fou. Ouais, 13% des shaders seulement. Le truc c'est que j'ai pas pu le mettre sur mon SSD parce que j'avais pas assez de place. J'avais pas Regarde. envie de supprimer d'autres jeux. Ah. T'as vu là-haut? Je l'ai emprunté à tes petits copains de Shoreline. T'as glissé tout le long depuis là-haut? J'étais plus rapide pour te rejoindre. Et maintenant, bah, faut juste trouver un moyen de remonter. Oui, juste ça quoi. Ah bah. Nate, tu m'aides à monter Bien sur sûr. l'échelle? Donc voilà, sa femme va devenir sa nouvelle frère, c'est-à-dire le personnage qui nous fait chier, parce qu'on doit tout le temps l'aider pour qu'il fasse des trucs. Ah, elle est plus rapide que le frérot. Frérot, en fait, il monte plus vite qu'elle, mais par contre, il libère le truc moins rapidement. Alors, ça fait combien de temps que t'es arrivé? Sur l'île? Ça fait quelques heures. Et t'as vu la colonie? Je l'ai vue, du ciel. Impressionnant, pas vrai? C'est pas comme si j'avais fait le tour complet. J'étais légèrement occupée à te chercher, si tu voulais savoir. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que Sully t'a mise au parfum sur cet endroit? Ouais. Il m'a parlé d'Henri Avery, de 400 millions, de 12 fondateurs. Tu dis peut-être quelque chose d'ailleurs. Non, t'as fait à peu près le tour. J'avais du temps à tuer par contre. Je rêve ou c'est un ascenseur? Ça y ressemble en tout cas. Franchement, Avery avait recruté les meilleurs ingénieurs de son époque. Il devait l'utiliser pour transporter les ressources de la rivière. Ouais, ça coule de source. On la laisse comment? Elle va galérer elle ou... D'accord. Voilà ta voiture. Il ne reste qu'à monter là-haut. Bon alors, on passe par où? Allons voir ça de plus près. Un autre passage. Il doit bien y avoir un moyen. Tiens, je peux te faire la courte échelle ici. Génial. Tu crois qu'il y a un autre endroit où tu pourrais monter? Hé, je vois un chemin là-haut! Où ça? Vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ouais.
Attends. Ne reste pas en dessous. Merci. Gazelle. Ah, t'as vu comme j'assure. Super idée de traiter comme ça une fille aussi géniale. Crétin. Ah ouais. Ok, je te revois tout de suite. Je vais bien. Je crois. Je contrôle la situation. Ou pas. Faut que tu essaies de remonter vers moi. Sans déconner. Ouais. Ok, compris. Toujours. J'en doute. Il a quand même 300 ans. Il a subi des intempéries. Je sais même pas s'il a jamais... Tu montes ? Ouais, alors, pas comme ça. Du coup, comme ça. Facilement en prenant de la hauteur. C'est vrai, bonne idée. Le système est alimenté par la roue hydraulique là-bas. C'est quand même une sacrée pointe pour une bande de pirates. Je vois rien, j'ai des reflets de fou dans mon écran. Je pense que vous le voyez pas ça, mais chez moi j'ai des reflets de fou et en même temps ça me fait chier de fermer la fenêtre alors qu'il fait beau, mais bon, ça devient un peu pénible quoi. C'est vrai, je crois que le jeu veut me foutre des reflets. Un peu d'exercice, au moins. Regarde, Shoreline. Ta voiture. À vrai dire, c'est leur voiture. Et alors, on va leur reprendre. Oula.
Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ok. Je crois que c'est fini. Ces types de shoreline méritent leur réputation. Filons d'ici avant que les renforts ne se pointent. Tu vois une sortie ? En amont. J'ai repéré un passage près de la cascade. Pardon ? J'imagine que New Devon se trouve là-haut. Alors il faut qu'on monte. Voilà, doucement. Bon, alors une question. Pourquoi est-ce que Rafe Adler court après le trésor d'Afrique ? C'est pas comme s'il avait tout d'argent. C'est après la gloire qu'il court. Il ne veut pas qu'on le voie comme quelqu'un qui doit sa richesse qu'à son héritage. Laisser tomber ne fait pas partie de ses options. Quoi ? Ils ont pourtant l'air d'avoir ce qu'il faut. Shoreline a été impliqué dans quelques guerres civiles qui n'ont pas tellement fini. Nadine a hérité des galères de son père. Elle pense probablement que tout ça va la remettre dans la course. Ah. On a des trucs avec les 4x4 eux, quand même. Oui, ça va. Remontez le courant. Tu sais que tu pourrais écrire un super article sur tout ça. Ah oui, je pourrais. Mais je pense que personne ne croirait. On va aussi prendre des photos. J'ai pas avancé mon avis. Je regrette bien d'ailleurs. À ton avis, pourquoi Sam n'est pas venu te voir directement ? Je pense que c'est bon pour Ray. J'imagine que vous voulez récupérer tous les indices que Ray s'est réussi à apprendre. En plus, il lui fallait un peu de temps pour inventer cette histoire avec Alcazar. Si seulement j'avais creusé un peu. En même temps, c'est ton bro, hein. Tu pensais pas qu'il allait te mettre la douille comme ça. Ce 4x4 est d'une résistance extrême, quoi. Cet engin est quand même incroyable. Il a l'air assez grand pour y mettre la voiture. J'espère qu'il fonctionne aussi bien que l'autre. Non, ça aurait été trop facile. Apparemment, la roue hydraulique part toujours. Bon alors, soit on répare ce truc, soit on grimpe. Voyons ce qu'on peut faire. Oula, oula.
passe rien. Je vais grimper plus haut. Il faudrait un ascenseur pour réparer cet ascenseur. Oula. Sinon ça va plus. T'as réussi? Ah oui, t'en doutais? Attends un peu, je crois que j'ai une idée. On va mettre dessus. Non. Je vais aller détacher le treuil maintenant. Ok. Je vais aller mettre la voiture dans l'ascenseur. Bonne idée. Et voilà. Je suis un abruti. Mais non, mais... Ah, j'y peux pied de ça, je te jure, c'est un truc de ouf quoi.
Mais non, mais... Oh là, mais quel abruti, quoi. Oh, les estimations de distance dans le jeu, j'ai du mal. Hein. Voilà, voilà, j'ai repris le contrôle. On y est presque. Tu pourrais pas apporter quelques vêtements de rechange par hasard? Si, si. Super. Ils sont dans la cage. Pas super. Ce barrage, on peut passer par la porte d'écluse. Ouais, faut ouvrir l'écluse encore une fois. Ok, alors je vais essayer l'autre. Ah, j'aurais dû m'en douter. Et derrière la porte numéro 2. C'est une flotte qui va sortir, ouais. On dirait que celle-ci est ouverte. Beau travail. C'est bon. C'est parti. Ah, dommage. Encore un chouïa et on aurait été un peu moins loin. Il va nous falloir plus d'élan. Regarde ça. Accroche-toi. On a réussi. On dirait que ça te surprend. C'est trop beau. Et hop là. Sur deux. Ouais, c'est bien le problème, ça veut dire que la chance va tourner. La roue hydraulique fonctionne, ça s'annonce bien.
Tu veux bien m'aider? Ah, merde! Je vais la tenir. Va chercher la voiture. Ok, quand faut y aller. Trois sur trois. Les talents d'ingénieur de ces pirates sont remarquables. Waouh, c'est vraiment paradisiaque. Ouais, Libertalia. Ces paysages à couper le souffle. Ces mercenaires et ces échanges de tirs. Je veux savoir pourquoi t'as changé d'avis. Tu m'as dit que t'avais failli pas revenir. Ben, je pouvais quand même pas tourner les talons en te laissant dans un pétrin pareil. Puis je sais pas si tu te souviens, mais on a échangé des vœux. Le meilleur est pour le pire. C'est ça. Pour le meilleur et pour le pire. Tu te sens con, Nate? Tiens, tu veux bien me donner un coup de main? Non. J'arrive. Super. En fait, même si tu penses agir dans le but de me protéger, en aucun cas ça ne doit me garder dans le cas. Quel que soit le problème, tu es censé m'en parler pour qu'on essaie de trouver une solution. Tous les deux. En équipe. Je sais très bien. Non, vraiment, c'est juste que... Tu sais quoi? Il faut qu'on reste concentré. On parlera de tout ça plus tard. Prochain arrêt, New Level. Moment de contemplation. On a déjà l'impression que les commandes réagissent beaucoup moins. Compris. Oh.
Viens. Eh ben, tant pis pour la voiture. C'est ça. Allez. C'était pas pour te protéger, tout ça. Mais tu sais, je t'avais fait la promesse que j'allais arrêter ce genre de folie. T'étais pas tout seul? Ouais, mais moi, je l'ai pas tenu. Si je t'en ai pas parlé, c'est parce que... je crois que j'avais peur. T'avais peur de quoi? Peur de te perdre. Je crois bien que j'essayais... de me protéger. Tu comprends? On a encore pas mal de chemin à faire. Ouais. Il faut avancer. Ouais. Par ici. Bah, au moins, on est du bon côté de la rivière. C'est sûr. On va compléter les choses. Avery a vraiment choisi une île magnifique. Si tu veux, on peut revenir y passer quelques jours, on ne sait pas. Ouais, pourquoi? J'avais raison, faut passer par là. Faut faire tout le tour en fait. C'est un peu chiant des fois le côté. Ah, mais on veut vous obliger à passer par un endroit, du coup faites-le. C'est bon? Non. Oula. À en juger par leurs vêtements, c'est des colons. Est-ce qu'ils se sont battus? Regarde comment ils sont disposés. Ouais, t'as raison. Ils sont empilés ou simplement poussés contre les murs. Ils étaient déjà morts quand on les a amenés ici. Je crois que c'est une fosse commune. Cool. Bonjour. Qui ça peut bien être? Alors, regarde le panneau. Prêtre. L'un des rebelles. C'est plutôt atroce comme mort. En voilà un deuxième. Désolé, je vais pas te manquer de respect. C'est une façon comme une autre de mater une rébellion. Je me demande si c'était sale. Quoi? D'assassiner tous les colons? Non. De les attirer ici en leur promettant dans une armée. Pour ensuite pouvoir leur voler tout ce qu'ils avaient. Bah, tu sais, c'était quand même des pirates, hein? Ouais, mais
Même pour des pirates, c'est quand même le summum de la communauté. Ce portail est bloqué. On va devoir passer par-dessus. Ces trucs ont l'air super instables. Ils le sont. Sois prudente. Désolé de te déranger, vieux. Excuse-moi. Oula. Je t'ai demandé de sauter. C'est téléporté. Hein ? Ouais. Waouh. Bienvenue dans le quartier d'Avry. C'est un bel endroit. Si on exclut les légers problèmes de façade et les dégâts des eaux. C'est vrai qu'il y a eu un petit souci avec l'évacuation. Une belle opportunité, mais avec des travaux à prévoir. Alors, voyons voir. Apparemment, quelqu'un a fait sauter le barrage et tout s'est retrouvé inondé. Tu sais, j'avais oublié. T'es doué à ce jeu-là. Bon, alors d'après toi, laquelle est celle d'Avry ? Bah, je miserais tout sur celle-là. Celle qui est encore intacte. Oh. Toi aussi, t'es doué à ce jeu-là ? Ah ouais, tu sais, j'étais sur le terrain, j'ai lu quelques bouquins. Merde, Ned ! Quoi ? Quoi ? La porte d'entrée. Sam. Il est encore en vie. Oui, pour l'instant. Allez, viens. Fais gaffe, au cas où des gars de Shoreline se pointeraient. Ouais. Bon, je tente le coup. Ça sert à rien, ça. C'est quoi le but alors ? Il y a la flotte ? Par là, attention à la tête. Eh ben, quelqu'un lui en voulait à ce type.
Encore un vieux mot. Beaucoup de détours hein, pour avancer quand même. Un dragon, c'est la maison de Christopher Condant. Cet endroit.
que c'est bon, ça va? Ouais. Pardon, pas de problème. Eh ben, c'était chaud. On doit pouvoir la traverser. Ça mérite d'y jeter un œil. Allumer la... la... Non. Con cet enfant. Charmant, ça. T'as vu? Il y a quelque chose là. C'est adressé à Richard Wendt. Signé Adam Baldrige. Les deux des fondateurs? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, faut grimper là. Ouais, mais c'est trop. Même en faisant la courte échelle. Voyons ce qu'on peut trouver. Ça rafraîchit. Reste pas en dessous. Au travail. Tu veux que je te serve d'appât, c'est ça? N'importe quoi. C'était par pure galanterie. Ah, ça va. Ouais, ben je trouve que tu me taquines beaucoup en ce moment. T'exagères. Ça sera biboche.
Merci, ouais. Tout va bien? Ouais. Ça va. Et toi? Je suis à nouveau tout mouillé. Je suis fatigué, j'ai mal partout, j'ai un peu faim. Je mangerai bien un morceau. Ouais. À part ça, tout va mieux. Ouais. Ok, allez. On continue. Ouais. Le courant est très puissant. Allez, essaie de couper à travers cette maison. Il est fatigué, mais encore l'énergie de nager quand même. Hein. Tu crois que ce sont les colons qui ont noyé cet endroit? En tout cas, ils avaient une bonne raison de le faire. Mais tu crois pas que pourquoi ils... Ben, je trouve quand même ça bizarre que toutes ces maisons soient sous l'eau, sauf une. Celle d'Avry. Exactement. Magnifique. Je parie que ça vient du Gunsway. Sont beaux, mais cette espèce de clair-obscur, moi perso, j'ai du mal à le regarder, ça me défonce les yeux. En fait, j'ai des reflets de fou. Elle est où? Je peux faire quoi? Je pense qu'on peut passer par là. Ah oui. J'avais pas pensé à la cheminée. Mais non. Si c'était pas long. Ouais. Espérons qu'on n'arrive pas trop tard. On voit que ces canons n'étaient pas là à l'origine. Ouais, il a dû improviser pour se défendre. Il s'attendait sûrement pas à se battre les uns contre les autres. Ah, c'est sûr. On reste mouillé beaucoup plus longtemps dans le jeu que dans d'autres. Pas cette piscine. C'est encore l'heure de la baignade, on dirait. Oh, oh, le courant est drôlement fort. Regarde, Nate. Par ici, on dirait une sortie. Ouais, beau travail. Hmm.
qu'on va se laisser là. Le courant est trop fort. Il va falloir traverser par un autre endroit. Ouais, je crois qu'on va stopper là. On dirait qu'il y a un passage là-haut. C'est juste un peu trop haut. Bah ouais. Sauf que je vois pas de caisse en fait, ma grande. C'est ça le problème. Donc ça se bouge, mais je crois pas. Comme j'avais prévu à la base, c'est-à-dire on va s'arrêter là pour ce jour. Et puis on continuera après, parce que je pense qu'on est proche de récupérer notre frérot. Du coup, hop, on se regarde. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à liker si vous avez aimé. Et sinon, je vous dis bonne journée. Au revoir.